Alors, si on regarde la situation depuis 2001, on a l'impression que les choses ont peu changé. C'est-à-dire que tous les gros indicateurs sont restés assez stables. Il y a toujours 30% des femmes qui travaillent à temps partiel. Il y a toujours 19% de différence de salaire. Il y a toujours beaucoup de femmes qui sont considérées comme peu qualifiées. Donc, on a l'impression que les choses évoluent peu. Il y a évidemment toujours un mauvais partage, on va dire, des tâches domestiques et parentales. Et surtout, point très, très important, une importance déterminante de la configuration familiale sur l'activité des femmes. C'est-à-dire que plus vous avez d'enfants et plus ils sont petits, plus votre activité professionnelle est en quelque sorte limitée, contrainte. Mais en même temps, je crois qu'il y a un certain nombre de points positifs à souligner. D'une part, le fait que même s'il y a encore un écart de taux d'activité entre les hommes et les femmes, cet écart se réduit. Il est aujourd'hui de 8 points. Il est était en 2001 plus élevé. Le fait également que les choses changent dans les métiers, même s'il y a encore de la ségrégation professionnelle, bien sûr, les femmes sont plus nombreuses parmi les cadres et les professions intermédiaires, elles sont plus nombreuses à la sortie des écoles d'ingénieurs. Donc on a l'impression que là, un certain nombre de choses se sont peut-être débloquées. Donc voilà, vous voyez un panorama un peu nuancé où on se dit qu'à la fois, certes, les grands déterminants ont peu changé, mais on a quelques raisons d'espérer tout de même et on a l'impression que les choses bougent un peu. Et puis surtout, point tout à fait important sur lequel je reviens pas, qu'on peut mettre à la fois dans les choses qui ne bougent pas et les choses optimistes, c'est le niveau d'éducation des femmes qui continue imperturbablement à augmenter. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Sur la question du partage des tâches domestiques et familiales, qui est une question déterminante, parce qu'on le disait, ça oriente le type d'activité des femmes et peut-être la quantité aussi d'activité des femmes. Donc c'est une question stratégique. Ce qu'on dit, c'est que toujours aujourd'hui, il y a 2/3 des activités parentales et domestiques qui sont prises en charge par les femmes et que les hommes n'en font pas beaucoup plus, ou s'ils en font beaucoup plus, c'est quelques minutes. Donc, sur le long temps, ce que l'on voit, c'est que les femmes ont en quelque sorte ajouté le rôle de travailleuse dans le salariat, à leur rôle de mère et de femme. Mais en fait, quand on regarde de façon un petit peu plus, à la fois en prenant du recul et puis en mettant la focale, on voit des choses quand même tout à fait intéressantes. C'est que le temps de travail domestique s'est réduit, et s'est réduit pour les femmes aussi, grâce aux équipements ménagers. Pas parce que les hommes en font plus, mais grâce aux équipements ménagers. Et puis sur le temps parental, eh bien, le temps parental a augmenté et le temps parental des hommes a augmenté. Par exemple, ça c'est ce qui vient de la dernière enquête emploi du temps et de l'exploitation des enquêtes emploi du temps dans le dernier numéro d'économie et statistiques. Ce que l'on voit, c'est que les pères ont multiplié par 2,5 leur investissement avec les tout-petits, notamment avec les jeunes enfants. Et donc, oui, il y a quelque chose qui bouge dans les jeunes générations. Il y a un investissement supérieur des pères et notamment des jeunes pères avec les enfants. Et ça me paraît de très bon augure, tout à fait important et intéressant. Alors, la question du temps de travail pour les femmes est déterminante. On a plus de flexibilité ces derniers temps et toute augmentation de la flexibilité est dangereuse pour les femmes, puisque les femmes sont en quelque sorte contraintes par les rythmes des enfants, les rythmes biologiques des enfants quand ils sont petits, mais aussi les rythmes des modes d'accueil ou de l'école. Donc elles ont besoin puisque c'est majoritairement elles qui s'occupent de ces questions-là, elles ont besoin de délais de prévenance, elles ont besoin de pouvoir s'y prendre à l'avance, elles ont besoin de ne pas trop avoir d'horaires atypiques. Voilà, et de ce côté, pourtant, la flexibilité a augmenté. Donc, ça n'est pas une très bonne chose. Alors, j'ai envie de terminer par
quelque chose qui me tient tout à fait à cœur, qui est la question de la réduction collective du temps de travail. Je crois qu'on peut tirer un bon bilan de la réduction du travail à 35 heures. Ça a été une bonne chose pour les femmes et ça a aussi permis aux hommes de plus s'impliquer dans les tâches parentales. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire encore réduire la durée normale de travail, peut-être à 4 jours. Et il me semble même, j'irais même jusqu'à dire que c'est sans doute une condition sine qua non de l'égalité entre hommes et femmes et de la possibilité que les femmes s'inscrivent vraiment, réellement, avec les mêmes chances que les hommes sur le marché du travail, dans l'emploi.